Ça représente tout d'abord pour les participants et un investissement de 2 années. 2 années parce qu'il faut préparer les costumes. D'abord, il faut écrire le texte, ensuite préparer, le mettre en scène, préparer les costumes, préparer les musiques, parce que tout ça est fait par un ensemble de bénévoles. Et pour la commune, donc moi je vais parler en tant que maire de la commune, c'est un honneur que de voir l'ensemble des habitants du village honorer leur village de telle façon. Un événement attendu, bien sûr, oui, parce qu'ils ont relevé le défi. Donc la première pastorale du village, elle a eu lieu en 2006, il y a 12 ans. À l'anniversaire des 10 ans, ils ont décidé de relever le défi. Et voilà, ce soir on y est. Alors, les textes, il y a eu des textes qui m'ont été soumis pour que je les théâtralise. Voilà, alors c'est les textes de Gilbert Estécandi. Et à partir de ces textes-là, c'est le même processus qu'en 2006. Hein, à partir de ces textes-là, j'ai théâtralisé, moi, ces textes-là pour les adapter à ce que doit être une pastorale. Hein, parce que c'est pas du théâtre, c'est pas une comédie musicale en Béarnais, c'est pas du tout ça. La pastorale suit des règles très précises qui sont celles du très ancien théâtre français, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et donc il y a des dispositifs de plateau, il y a des rapports scène et salle qui sont très près des rapports très particuliers, des jeux qui ne sont pas réalistes, des costumes qui ne sont pas réalistes, etc. etc. Donc le texte s'est adapté à ce genre de la pastorale. J'ai écrit les textes, les chansons. Les textes ont été repris, mis en forme par l'Imbundair. S'il est metteur en scène, il les a réécrits à sa façon. Et après, on a fait intervenir les musiciens pour la musique des chants nouveaux qu'on a créés pour la pastorale. Et les couturières, tout s'est enchaîné, ça fait 8 mois qu'on travaille avec. Non, on n'a eu aucun problème, on est tous au Moumour. On sort pas, y en a aucun qui sort de la cuisse de Jupiter. Moumour, c'est Moumour. Mais les gens, ils sont quand même attachés à leur village. La preuve, c'est que nous avons une dame de Moumour qui est mariée à Arzac et qui a pris un rôle et qui est venue à toutes les répétitions pendant 8 mois, le samedi soir, pour venir répéter. Non, les rôles ont été distribués au mois de septembre, octobre, donc ils ont eu le temps de les apprendre et non, on n'a pas eu de problème d'adaptation. Si, à la langue, parce qu'il y en a qui ne parlent pas le béarnais, donc il a fallu leur montrer pour la prononciation et tout ça. La plupart du temps, ils nous enregistrent et puis ils copient après. Voilà. C'est vrai qu'au départ, j'étais à l'initiative avec Gilbert. Gilbert voulait faire cette pastorale. J'ai poussé derrière beaucoup de gens à Moumour pour la faire, pour qu'elle soit dynamique, qu'il y ait du monde, qu'il y ait la chorale qui soit impliquée, que un maximum de comédiens, danseurs, chanteurs soient impliqués. Donc oui, c'est une grande réussite parce qu'on est 94 sur l'Impound. Et avec les bénévoles, on est 150-200 à travailler sur cette pastorale. Donc c'est vrai qu'on en est fiers. On est fiers aussi de voir des enfants du village qui sont partis, qui habitent à Arzac, à Pau, et qui reviennent pour jouer la pastorale. Donc on est fiers des racines, notre fier des racines. Je ne suis pas moumouré de naissance, j'ai été adopté. J'espère que j'ai été adopté, on va dire. Je pense que c'est une bonne réussite. On se fait plaisir. Et maintenant, on va se faire plaisir pour le public et nous, se faire plaisir aussi.